mon maquillage. Oh non. Il est trotteur, il est pas désagréable. C'est un cheval qui avait, je n'avais pas fait grand chose. Et puis là, j'ai mis sur la sellette depuis un mois, il a beaucoup progressé. Il s'est bien qualifié, j'étais sûr de lui à peu près, c'est bien. Vous n'avez pas hésité à aller devant, c'est... Non. Vous aimez bien ça, quand vous venez au qualif, les tester en allant devant? Oh, nous sommes aux courses, là. Voilà, il faut préparer. On va le débuter quand? Je ne sais pas, je vais attendre un petit peu, c'est lui qui va me dire. Eh ben, elle est brave, elle est sérieuse, elle est très adroite, et puis elle a un peu de qualité. C'est une pouliche qui est estimée au sein de votre écurie? Bah écoutez, je vais vous dire, il y a meilleur. Alors, mais aujourd'hui, elle me surprend quand même assez agréablement. Parce que 18-8, c'est pas mal. Hein. Bah surtout que la piste, c'est pas vite. Hein. Voilà. On va la voir quand? C'est mon chef qui va décider, mais c'est possible prochainement, parce qu'elle est vraiment prête. Région parisienne, donc tout de suite? Pourquoi pas, si on s'enflamme un peu. Tu peux m'en dire de ce petit poulain? Bah, ça fera bon poulain. Hop. Ouais. Ça fera bon poulain. C'est plaisant. Mais ouais, plaisant. Des modèles en plus. Mais pas mal. C'est bon? Allez. Des bouches bonnet fermé. Ça y est. Bonjour. Je peux te demander un petit mot? Oui. Qu'est-ce que tu penses? Il y a des abeilles. Des abeilles. C'est un petit coquin en partant, ça fait deux fois qu'il me part au galop, ouais. Et puis là j'ai pas pris de risque, je suis parti comme un fer à repasser, et puis après j'ai voyagé à l'extérieur comme un amateur, et je l'ai qualifié donc il doit pas être nul. Hein. Il a eu des petits problèmes de santé pour être qualifié si tard? Non, il est arrivé chez moi. Il est arrivé, d'accord. Je sais pas ce qu'il a eu avant, ouais. Il était pas chez moi en tout cas. D'accord. Voilà. Bon, bah, à suivre alors. À suivre. Province pour commencer? Oh ouais, je pense, hein. Non, je sais pas. Merci Jean-Pierre. Bon, laisse appeler. Thank you.
C'est Sylvain Rouget qui est en tête, non? Christopher, tu viens de qualifier une petite pouliche qui te tenait à cœur, on va dire. Oui, c'est une pouliche que j'aime bien. En plus, elle est très dure, elle encaisse beaucoup le boulot, donc c'est une pouliche que j'aime bien. Elle est arrivée dans ton écurie par quel biais? On est passé par les ventes. J'ai un client à moi qui était malheureux une fois avec une pouliche qui avait été chère. Et il a acheté cette pouliche-là parce qu'il aimait bien le papier. Donc, puis je suis content parce que c'est des nouveaux clients et qu'ils n'ont pas été chanceux la première fois. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont une jument de course. Et par rapport à sa qualification, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je pense que ça va être une jument que quand il y aura un peu plus de force, ça va être autre chose que la qualif encore. Ah oui, carrément. Oui, parce que là, elle fait 500 super pour finir. C'est la façon dont, ce qui est agréable, c'est la façon dont elle finit. Mais je pense que ça va être une jument de course, une vraie. Qu'est-ce qu'on va la voir quand? Non, là, c'est bon, la saison se termine, 2 mois de vacances, et on va sortir ça au mois de mai. La fête du travail, c'est là qu'il faut qu'il court. Voilà, c'est tout bon. Ah, bon coup là. Bon coup là. Voilà, il frotte. Hein. Est-ce hop. Qu'il confirme ses exercices du matin là par... Ouais, et il confirme, je pense qu'il va aller se reposer un peu. Il a sorti le jarre. Ah, il va se reposer. Allez. Ah, it was good. It was good. Why did you qualify so late? Yeah, I've been in Sweden. I came 2 weeks ago to France. Yeah. Okay. And then last week we were in Caen, but it was the piece was catastrophic. So it's a good horse, I think. I'm going to win some race. Tu gagnes un. Oui. Un petit poulain sympa, bien né en plus. Ouais, bien né, ouais. Bien né, sympa. Petit trotteur, agréable. Bon petit cheval d'avenir. Justement, par rapport à son avenir, on va le débuter tout de suite. Et comment vous l'estimez par rapport aux autres de l'écurie dans cette promotion? Il fait partie des chevaux intéressants. Hein, je pense qu'en classe pure, il y a peut-être mieux. Mais peut-être on courrait dans les premiers, peut-être. Peut-être. C'est lui qui va décider. C'est les papiers tardifs, hein. Maternel, alors on le respectera. Merci. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent? Bonne pouliche. Sérieuse? Ouais, sérieuse, appliquée. C'est la première fois qu'elle a eu la qualification. Non, elle l'a bien fait. Dans ton écurie? C'est une bonne pouliche. Maintenant, on va se reposer. On verra l'année prochaine.
Jean-Luc, qu'est-ce que tu penses de ce petit poulain? Petit poulain, c'est un grand mot. Je pense que c'est un beau poulain assez, d'une taille assez grande. Mais bon, il faut être connaisseur pour différencier un petit d'un grand. C'est un cheval qui trotte. Un cheval qui trotte, qui n'a peut-être pas trop de force encore, mais bien, assez plaisant. Dans ton écurie, on a vu quelques éléments bien se qualifier. Où le situes-tu? Dans les meilleurs. Vraiment? Dans les 10 meilleurs, on dira. Est-ce qu'il va débuter cet hiver ou pas? Je ne pense pas.